Bonsoir. Alors, nous poursuivons l'étude du Mahamar que nous avons commencé mercredi dernier. Il s'agit du Mahamar que le Rabbi a dit le Meloul, Tafshil Lamed Aleph, 5731, 1971. Et donc, pour ceux qui suivent sur le livre, donc sur le Sefer HaMamarim Tafshin Lamed Aleph, nous sommes en bas de la page 275. Ve'alpizem vergam, mashekatov, atem nitzavim ayom, lifnei avaye. Nous allons comprendre le sens du verset qui introduit la Parshat Nitzavim, et vous vous trouvez tous ensemble devant l'Éternel, votre Dieu. Et Kshem Shematzinu Bechayot Merkava, on voit que les animaux, les anges ayant des visages d'animaux qui portent la Merkava, il y a des échèmes nos hôtes et taquissés. Elles portent le trône divin, la Merkava, et donc de la même façon, Arem, mais nous hôtes imakissés. Elles sont également portées par ce trône. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on nous indique ici? Donc, la Merkava se trouve dans le monde spirituel de Bria. On la voit apparaître essentiellement dans la prophétie d'Ishaïa, mais qui en donne la vision la plus précise. La Merkava, Merkava char, une charrette. Donc l'idée de Merkava, c'est l'idée de soumission. De la même façon qu'une charrette ne peut pas se déplacer si elle n'est pas conduite par le cocher. Donc, de la même façon, à l'origine de la création du monde, il y a la soumission à Dieu, et cette soumission est la dimension profonde de la création. Là, on voit que la Merkava se trouve dans le monde de Bria, puisque c'est le monde de Bria, que c'est dans le monde de Bria que le mal fait son apparition. Si la Merkava se trouvait dans le monde d'Atsilut, dans lequel le mal n'existe pas, donc elle ne pourrait pas être à l'origine de la création du monde, elle est donc dans le monde de Bria, lorsque le mal existe d'ores et déjà. Néanmoins, dans le monde de Bria, le mal est minoritaire, et donc il n'est pas suffisamment important pour empêcher la soumission à Dieu, ce qui veut dire que dans sa source, la création a un potentiel de création, de soumission à Dieu qu'elle peut utiliser à tout moment. Dans la Merkava, il y a quatre anges. Un ange qui a un visage humain, Pnei Adam, qui est à l'origine de tous les hommes qui existent dans le monde. Un ange qui s'appelle Pneshor, qui a un visage d'un bœuf, et qui est à l'origine de tous les animaux domestiques qu'il y a dans la création. Le troisième s'appelle Pnei Arié, visage du lion, et donc lui est à l'origine de tous les animaux, de toutes les bêtes sauvages qu'il y a dans le monde. Et enfin, le quatrième ange s'appelle Pnei Nesher, visage de l'aigle. Et donc, lui est à l'origine de tous les oiseaux, de tout la volaille qu'il peut y avoir dans le monde. Donc, ce sont les sources spirituelles de tous les êtres créés. Alors, en parenthèse, vous voyez que dans la Merkava, on ne trouve pas de Pnei Dag.
le visage de poisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le poisson s'introduit dans le système de tikkun, dans le système de la réparation dans lequel nous vivons, tel qu'il est dans le monde de Tohu, sans avoir besoin de passer par une phase intermédiaire de réparation. C'est la raison pour laquelle on sait que dans le monde de Tohu, on dit le Orot Merubim et Kelim Moatim, les lumières sont intenses et les réceptacles sont réduits. C'est la raison pour laquelle le monde de Tohu a explosé au final. Les Kelim du monde de Tohu ont explosé. Et c'est précisément cette explosion que nous devons réparer dans ce système de Tikkun. Alors donc, de la même façon que dans le monde de Tohu, les lumières sont intenses, alors le poisson, qui est une émanation de ce monde de Tohu, a conservé cette intensité de la lumière. Et on voit que, par exemple, un homme n'a qu'un seul enfant à la fois. Parfois, il peut y avoir des jumeaux, des triplés. Ça reste malgré tout un cas exceptionnel. Un animal peut avoir dans une même portée 5 ou 6 petits, c'est-à-dire finalement un nombre assez limité, alors qu'un poisson a plusieurs dizaines de milliers d'œufs à la fois. Donc le fait que sa procréation est tellement puissante, c'est la conséquence des lumières puissantes du monde de Tohu, dont le poisson est directement issu. C'est également pour cette raison que, par exemple, dans le repas du Shabbat, nous prenons d'abord du poisson et ensuite de la viande. On voit que, par exemple, le poisson qui n'est pas passé par la phase de tikkun n'a pas besoin de shrita. Il est consommé en l'état. Alors que le bœuf, l'aigle dont on parlait tout à l'heure, le lion, donc les bêtes domestiques, les animaux sauvages, les volailles, tout ce que nous consommons, tout ce que la Torah déclare kasher, tout ça doit avoir une shrita. Donc la shrita, c'est une introduction dans le tikkun. C'est un moyen d'introduire la réparation pour ce qui a besoin de la réparation. Le poisson, en revanche, n'a pas de shrita, puisqu'il ne passe pas par cette phase de tikkun qui se révèle dans le monde matériel tel qu'il est dans Tohu. Donc c'est la raison pour laquelle, dans le repas du Shabbat, on prend d'abord du poisson et ensuite de la viande. Le poisson, c'est le système de Tohu. La viande, c'est le système de tikkun. Et donc, manger du poisson avant de manger de la viande, c'est aller chercher une force élevée émanant de ce stade de Tohu pour être en mesure de réaliser le tikkun au moment où on mange la viande par la suite. Donc, nous dit ici le texte, dans la Merkava, il y a ces 4 anges. Et donc, on voit qu'il y a ici 2 mouvements simultanés. Les anges se trouvent à l'intérieur de la Merkava, ce qui veut dire qu'ils sont portés par cette Merkava, et en même temps, les anges portent eux-mêmes la Merkava. Et donc, il y a les 2 mouvements simultanément. Les anges tirent la vie de la Merkava, à la source de toute la création, et c'est cette vie qui leur permet d'aller de l'avant. Alors, nous dit le Rabbi, « Kargam benishmot Israël ». Il en est de même également pour les âmes juives. « Shalia deseshuit barach nitzav alehem » Lorsqu'il y a ce rassemblement des âmes juives devant Dieu, comme le décrit le verset « Atem nitzavim »« Azai gam hem nitzavim »
Alors à ce moment-là, les âmes juives sont portées par Dieu et en même temps, elles-mêmes apportent une dimension supplémentaire dans la création, puisque elles sont chargées de faire ce tikkun. On voit que dans le kiddush du vendredi soir, nous citons le verset de la Torah qui nous dit Asher bara Elohim la'asot, que Dieu a créé pour faire. Rashi explique la'asot l'etaken. Qu'est-ce que ça veut dire pour faire? Pour réparer. Vous voyez que c'est surprenant. Là, on parle du monde tel qu'il a été créé par Dieu, à l'instant même de la création. Et donc, Dieu crée un monde qui a besoin d'être réparé. C'est le sens simple du verset tel qu'il est défini par Rashi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici, réparer le monde? Ça veut dire l'introduire dans une phase de tikkun et faire en sorte que les lumières intenses du monde de Tohu puissent se dévoiler dans ce monde matériel, comme nous le faisons dans le repas du Shabbat, au moment où nous prenons la force de Tohu dans le poisson pour pouvoir ensuite apporter le tikkun à la viande qui lui fait suite. Inyan Bezé, donc, pour préciser cette notion, Kivan Shema Shekatov, Atem Nitzavim Mayom, Kayel Rosh Hashanah, dans le verset que nous avons cité, Atem Nitzavim Hayom, vous vous trouvez tous ensemble en ce jour devant Dieu. Et donc, se trouver devant Dieu, ça veut dire en fait être certain de la victoire. On voit que le jugement de Rosh Hashanah est fait de telle façon, une des grandes idées surprenantes de la chassidoute dans l'ensemble du peuple juif, on pense que le jour de Rosh Hashanah est le jour du jugement. Donc c'est uniquement à l'issue du jugement qu'on peut savoir si le verdict est positif ou si, Chas v'Shalom, c'est le contraire. Donc la chassidoute dit bien au contraire, le verdict, il est d'ores et déjà obtenu pendant le mois d'Eloul. Et donc lorsque on s'introduit dans Rosh Hashanah, on a d'ores et déjà la certitude que le jugement sera positif. C'est la raison pour laquelle, dit le Midrash, l'ofshim levenim ve'umit atfim levenim. On porte des habits blancs et on s'enveloppe d'habits blancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du Temple, quand il y avait le Sanhédrin qui siégeait dans le temple, donc celui qui était accusé se présentait devant le Sanhédrin, et au moment où il en ressortait, s'il sortait avec des habits blancs, on savait qu'il avait été reconnu dans son bon droit. S'il sortait avec des habits noirs, à ce moment-là, on savait qu'il avait été condamné. Donc on voit que notre certitude de la positivité du jugement est telle que nous mettons ces habits blancs, d'après le Midrash, avant même que Rosh Hashanah commence, déjà à la veille de Rosh Hashanah. Donc on retrouve ici cette image qui a été citée avant, des anges qui portent la Merkava et qui en même temps sont portés par elle. Shebo Poalim Bnei Israël Ainyan de Tamlichuni Alechem. Donc le but de Rosh Hashanah, puisque le jugement est d'ores et déjà rendu, le but de Rosh Hashanah, c'est Tamlichuni Alechem. Faites-moi régner sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a un principe selon lequel En Melech Beloam, un roi doit avoir un peuple. Un roi ne peut pas être roi en l'absence d'un peuple. Qu'est-ce que c'est un peuple? Un peuple, c'est un ensemble de personnes qui sont à la fois pas trop proches du roi et pas trop éloignées du roi.
Par exemple, quelqu'un a une très grande famille. On ne l'appellera pas roi de sa famille. On l'appellera patriarche de sa famille. On ne l'appellera pas roi parce qu'il a un lien de proximité avec tous les membres de sa famille qui fait qu'il n'y a pas de royauté dans ce cas-là. De même également, un homme ne sera pas considéré comme le roi des animaux. Il y a une trop grande distance entre l'homme et l'animal pour qu'on puisse définir un homme comme le roi des animaux. Donc, pas trop proche et pas trop loin. En l'occurrence, qui c'est qui peut proclamer la royauté de Dieu? C'est précisément les Juifs qui ont en eux une âme qui est une parcelle de Dieu. Donc, ça leur permet d'être suffisamment proche pour pouvoir proclamer la royauté de Dieu, et en même temps suffisamment loin, puisque l'âme qui porte en eux est une âme créée, une partie de Dieu, mais une partie de Dieu qui se trouve dans un être créé. Alors, pourquoi est-ce qu'il appartient aux Juifs de proclamer la royauté de Dieu? C'est parce que dans le fonctionnement de la personnalité humaine, il y a plusieurs kochot hanefesh, plusieurs forces de l'esprit. Parmi ces kochot hanefesh, il y a koach hamloucha, le pouvoir de régner. Alors, ce pouvoir de régner, ce koach hamloucha, il a une particularité qu'on ne retrouve pas dans tous les autres kohot. Le koach hamloucha ne peut pas être enclenché par une personne elle-même. Un homme ne peut pas décider de lui-même « je suis roi ». Il faut que le peuple vienne lui demander d'accepter la royauté. Donc, quelqu'un essaye de comprendre une idée, c'est lui qui enclenche ses forces intellectuelles pour pouvoir comprendre cette idée. Un homme décide de développer en lui un certain sentiment, c'est lui qui enclenche ses forces du sentiment pour pouvoir éprouver le sentiment qu'il désire. Un homme, en revanche, ne peut pas dire « je décide d'être roi ». Si quelqu'un décide d'être roi, d'après la Torah, il s'appelle un dictateur, Moshel. Moshel, un dictateur, c'est quelqu'un qui s'impose comme roi, mais qui n'a pas été désigné par ses sujets. Donc, le verset nous dit « Malchuto beratzon kiblu alehem ». Ils ont accepté sa royauté de leur plein gré. Donc voilà le contenu de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le moment où un juif décide de son plein gré d'accepter la royauté de Dieu. Et donc, cette acceptation des juifs est indispensable puisque l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc si on voit que dans la personnalité humaine, ce koach hamloucha n'est pas réveillé par l'homme lui-même, alors si on peut dire, le koach hamloucha de Dieu doit être réveillé, non pas par lui-même, mais par ceux qui le couronnent roi, les Juifs, le jour de Rosh Hashanah. Shekashorim tokef de Keter, donc c'est toute la force de ce niveau de Keter. Keter, c'est la couronne. La couronne, c'est ce qui permet de définir le roi. Donc, Keter, c'est le niveau qui se trouve au-dessus du monde d'Atsilut, c'est la lumière qui transcende la création. Et donc, accepter la royauté de Dieu, ce qui veut dire se soumettre à lui, c'est le moyen de révéler au sein de la création une lumière qui dépasse la création et de cette façon de réaliser le tikkun, de réaliser la transformation de la matière et donc de modifier
la matière du monde qui a été conçue par Dieu pour voiler sa présence, de transformer cette matière pour que, bien au contraire, elle laisse apparaître à l'évidence la présence de Dieu. Donc, les Juifs doivent se manifester dans toute leur force à Rosh Hashanah pour proclamer cette royauté. Shezehu inyan des nitzavim. Et c'est le sens donc du mot nitzavim qu'on trouve dans ce verset faisant allusion à Rosh Hashanah. Shepirusho bekoma skufa. Ce qui veut dire avec une haute stature, en étant fier de soi. Et donc, c'est de cette façon-là, c'est grâce à cette détermination naturelle que les Juifs arrivent à réveiller en eux, qu'ils peuvent se soumettre totalement à Dieu et de cette façon-là, introduire le tikkun dans le monde. Donc, on voit que la soumission de Rosh Hashanah a une particularité. La soumission, bien évidemment, est nécessaire tout au long de l'année. Néanmoins, tout au long de l'année, la soumission est uniquement un préalable à l'action. Quelqu'un met les tefilines, quelqu'un prie, une femme allume les bougies du Shabbat. Il s'agit d'un acte de soumission à Dieu. C'est parce qu'on est soumis à Dieu qu'on met les tefilines ou qu'on allume les bougies. Néanmoins, la mitzvah, ce n'est pas d'être soumis. La mitzvah, c'est de mettre les tefilines ou d'allumer les bougies. Et dans ce cas-là, la soumission à Dieu est uniquement un préalable indispensable. En revanche, à Rosh Hashanah, la soumission à Dieu est une fin en soi. Le but de Rosh Hashanah, c'est qu'un juif se mette dans un état permanent de soumission pendant toute la durée de Rosh Hashanah, et c'est cet état permanent de soumission qui permet de proclamer la royauté de Dieu. Bien évidemment, quand on parle de détermination, il ne s'agit pas d'une détermination physique. Sha'are amru razal, nos chachamim nous disent, ame'aler bekomas kufa, keilu dochek ragle ashrina. Celui qui marche la tête haute, autrement dit, celui qui est orgueilleux, celui qui est fier de lui-même, il repousse la présence de Dieu dans le monde. Et plus encore, la Gemara nous dit ensuite que Dieu dit En ani vehu icholim ladur. Lui et moi, nous ne pouvons pas résider ensemble dans le monde. Dieu ne supporte pas l'orgueil. Et donc, la suite de la Gemara est citée ici. Kol adam sheyesh bo gasut haruach, quand un homme est orgueilleux, ma kadosh baruch hu en ani vehu yicholim lador, Dieu dit de lui, nous ne pouvons pas résider ensemble dans le monde. Donc, il est bien clair que quand on dit manifester sa personnalité dans toute sa détermination, alors, on ne parle pas d'orgueil, on ne parle pas de montrer sa présence physique. Et là, Kavanahi, les skifa koma shel Knesset Israël, makor aneshamot. Donc, de quelle détermination on parle ici? On parle de la détermination qui permet à l'homme de prendre conscience de sa source spirituelle élevée et de faire en sorte que celle-ci puisse se révéler pleinement au sein de sa personnalité. Mo'inyan de komas kufa le mala shunyan amshachat prinata keter. De la même façon que toute l'élévation de Dieu, comme on l'a indiqué au préalable, elle permet de dévoiler le niveau de keter au sein de la création, donc de dévoiler au sein de la création du monde une lumière qui transcende cette création. Et de cette façon-là, de réaliser le tikkun, de transformer la matière et d'y faire apparaître Dieu à l'évidence. Kargam ainan de komas kufa de Knesset Israël,
Ouinian, Amsirut Nefesh, Mitzad Aratson, Shel Malam et Atam. Donc, de la même façon, quelle est la détermination d'un juif? C'est ce qui lui permet de donner complètement sa volonté à Dieu, de s'attacher à Dieu au-delà de toute rationalité. Et donc, c'est cette soumission profonde de l'homme à Rosh Hashanah qui permet ensuite la révélation de Dieu dans le monde tout au long de l'année. Nous avons cité dans les débuts de ce Mahama le verset qui disait « Voici que Dieu se tient devant lui », verset qui est dit à propos de Yaakov, « Li yoto b'chir shebeavot ». On sait que Yaakov est l'élu d'entre tous les patriarches. « Shehen hen amerkava kanal barucha » donc, cette première partie du Mahama, nous avons longuement expliqué comment le service de Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov était basé sur la soumission. Et on voit que cette soumission est particulièrement présente chez Yaakov, qui est l'élu d'entre les patriarches. Et donc, comme ils sont les patriarches, comme ils donnent leur héritage spirituel à tous les Juifs, donc, Nim Shargam le Chol Echad Misraël, que Chol Inyane Avot, Shem Yerusha Lanu Avotinu, tout ce qui est dit à propos des Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, passe en héritage à tous les Juifs, ce qui veut dire qu'un Juif a une propension naturelle à se soumettre à Dieu, on pourrait dire génétique, grâce à l'héritage moral qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ont légué à chaque juif. Omnam, afal pishinyanze ou Yerushalanu mavoteno, donc même si nous possédons ce caractère de soumission comme un héritage de nos ancêtres, et qu'en conséquence, on ne nous demande pas de créer ce sentiment de toute pièce, mais uniquement de révéler un potentiel que nous possédons d'ores et déjà en nous, Enze beofen shel Naama de Kisufa. Alors pour autant, Dieu n'a pas voulu que cette propension à la soumission soit textuellement le pain de la honte, c'est-à-dire celui qui n'a pas été gagné, celui que on n'a fait aucun effort pour l'obtenir. Donc Dieu a voulu que même si chaque juif possède ce potentiel en lui, alors ce potentiel ne se révèle pas de lui-même. Et là, tsarich yod gam inyan ha'avoda, un effort est nécessaire pour révéler ce potentiel. Ça veut dire que si quelqu'un ne fait pas cet effort, alors il possède effectivement ce potentiel en lui, mais il ne le révélera jamais. Il possède ce potentiel en lui au point qu'il sera capable de le transmettre à ses enfants. Et peut-être que ses enfants révéleront le potentiel que lui n'est pas arrivé à révéler. Mais en tout état de cause, pour qu'un homme puisse révéler le potentiel de soumission à Dieu qu'il a en lui, il a besoin d'un effort. D'un autre côté, lorsque il consent à cet effort, alors, sachant que le potentiel se trouve déjà en lui et qu'on ne lui demande pas de créer quelque chose de toute pièce, à ce moment-là, le résultat qu'on doit obtenir est beaucoup plus facile à obtenir. Il y a des époalim amshacham ilmala beofen shayita utadil ela. Donc, dès l'instant où l'homme fait cet effort, alors l'effort devient le déclic qui permet la révélation de Dieu. Bien plus, nous dit le rabbi, il n'y a pas de proportionnalité entre l'effort et la révélation. L'effort est évalué selon les moyens de l'homme. Un homme qui a des moyens limités, eh bien, on n'attendra de lui qu'un effort limité, mais cet effort limité pourra lui permettre d'obtenir une révélation sans aucune commune mesure avec l'effort consenti.
Et là, chez Afalpiken, Enashora ou Midgale, et là, Beata Shlim. Et donc, selon l'expression du Zohar, le Dieu ne se révèle que dans un endroit parfait. Dieu prend l'initiative de la révélation, mais il ne peut se révéler que dans un endroit parfait. Qu'est-ce que ça veut dire parfait ? Ça veut dire que les hommes sont parfaitement soumis. Donc, la soumission de l'homme, obtenue par son propre effort, est nécessaire pour pouvoir obtenir la révélation qui vient ensuite à l'initiative de Dieu, au-delà de l'effort qui a été consenti. Ubinyan avoda gufa, lo maspika avoda klalit, ela tsarliot gam avoda pratit, kimvoa bekuntra sa avoda. Donc le rabbi souligne un point qu'on trouve souvent dans la chassidout. Des fois, un homme a une certaine motivation au service de Dieu. Un des stratagèmes du Yetzer Hara consiste à faire en sorte que cette itorerut, cette motivation, conserve des termes généraux. Plus un sentiment est général, exprimé en termes généraux, et moins on a de chances qu'il ait une application concrète. Demain, je serai mieux qu'aujourd'hui. Demain, j'étudierai plus qu'aujourd'hui. Demain, je prierai mieux qu'aujourd'hui. Ça, c'est des phrases qui n'ont aucun sens et qui vraisemblablement ne modifieront pas du tout le comportement demain. Si par contre, on rentre dans les détails, demain, j'étudierai la Torah pendant une demi-heure de plus, de telle heure à telle heure. Donc là, il s'agit d'une décision précise. Demain, je veux mieux prier, et pour ça, pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure avant la tfila, j'étudierai un passage de Chassidut auquel je méditerai pendant la tfila. Ça, c'est une décision précise. Donc là, on a une chance d'aboutir à quelque chose. En revanche, plus la décision est de portée générale, et moins elle aura d'effet concret. Donc, c'est ce que le rabbi nous explique ici. Maspika avoda klalit, servir Dieu en conservant une formulation générale n'est pas suffisant. Et là, tsarliat gam avoda pratit, il faut aussi rentrer dans les détails qui voient bekuntras à avoda, comme explique notamment le rabbi précédent. Bechol praté inyanim de marshava dibur maase. Donc, il faut examiner ses pensées, ses paroles, ses actions, et décider de façon précise qu'est-ce qui doit changer dans chacun de ces domaines. Dafka beofen kaze mashlimim kavanat abriya. C'est uniquement de cette façon-là qu'on assume la mission pour laquelle nous avons été créés, les ovda ul shomra. On a déjà vu l'expression qui est employée à propos de Adam Arishon, le premier homme, dans le Gan Eden. Dieu le place dans le Gan Eden, les Ovda ou le Shomra, pour le servir et pour le garder. Donc, les Ovda, le servir, c'est tous les commandements positifs. Les Shomra, le garder, c'est tous les commandements négatifs. Un homme est créé pour accomplir la volonté de Dieu, jusque dans le moindre détail. Av she trilat abriya yakvar haolam. Même si les sages nous soulignent que le monde a été créé de façon parfaite, le monde était parfait avant la création, et au moment de la création, et donc la perfection du monde a été perdue au moment de la faute de Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon a eu pour effet de mélanger le bien et le mal dans le monde. Dès l'instant où le bien et le mal sont mélangés, il n'y a plus de perfection possible parce que le monde devient trompeur. Le mal mélangé avec du bien nous paraît un peu moins mal. Le bien mélangé au mal est terni, nous paraît plus tellement bien. Et là,
Du coup, il devient difficile de faire la part des choses. Donc, c'est précisément le sens du tikkun. Le tikkun, c'est séparer le bien du mal, et donc de cette façon-là, retrouver la perfection initiale, mais la perfection initiale était uniquement introduite dans la création à l'initiative de Dieu, et l'homme a eu la possibilité avec son libre arbitre de supprimer cette perfection lorsque, grâce à nos efforts dans le service de Dieu, cette perfection sera totalement rétablie, quand le Machiav viendra, alors à ce moment-là, cette perfection sera définitive. Et dès là, Sotlo Idbarer dira Batartene, donc c'est le sens du Tikkun, il s'agit de bâtir la résidence de Dieu dans le monde, un objet matériel par nature voile la présence de Dieu, quand un juif l'utilise d'une manière conforme à la volonté de Dieu, alors il brise ce voile et il met en évidence la présence de Dieu au sein de cet objet, même si nous, nous ne le voyons pas maintenant, nous avons l'impression que l'objet n'a pas changé. Quand le Machiav viendra, nous aurons la possibilité de voir ce qui est réalisé sur un objet par le fait qu'il est utilisé pour le service de Dieu. Et donc, chaque objet transformé de cette façon-là, chaque objet qui a subi le tikkun, devient une brique de cette demeure de Dieu dans le monde, jusqu'au jour où la matière du monde aura été entièrement transformée, et à ce moment-là, le monde sera prêt pour le dévoilement du Mashiach. Mais Dougmata dira, Sheba Nimtsa Umidgale Adar, Behadira Becholat Smuto. Donc on emploie précisément le terme de Dira, demeure, résidence, parce que qu'est-ce que c'est qu'une résidence? Qu'est-ce que c'est que la maison d'un homme? La maison d'un homme, ça veut dire que chaque objet se trouvant dans la maison porte son empreinte. Un homme meuble sa maison, remplit sa maison selon ses goûts, et donc c'est sa personnalité qui fait que la maison est en ordre ou en désordre, agencée de telle façon ou de telle autre façon. Et donc, vous voyez bien que si vous entrez dans la maison de quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, que vous n'avez jamais vu, uniquement en voyant sa maison, vous savez déjà énormément de choses sur cette personne-là. Ça veut dire que tous les objets de la maison portent l'empreinte de celui qui y habite. Alors voilà le but de la création. Le but de la création, c'est de bâtir la demeure de Dieu dans le monde, c'est-à-dire de faire en sorte que chaque objet du monde porte l'empreinte de Dieu. Donc, lorsque cette mission aura été menée à bien, le Mashiach se révèle. Et gam kshewarum bli levushim haynu she itgalut ha-sechel ve-amidot yichola liot gam מחוץ להדירה, מה שאין כן התגלות העצם, היא בהדירה דווקא. Et donc, on voit, si on poursuit sur cet exemple de la maison, on voit que un homme se trouvant chez lui peut être amené à certains moments de la journée à se déshabiller, alors que, bien évidemment, dans la rue, il ne le fera jamais. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est ? Ces vêtements, c'est un moyen d'entrer en contact avec son environnement. Et donc, les vêtements ne représentent pas réellement l'homme, puisque l'homme qui porte des habits de Shabbat n'est pas identique à l'homme qui met des habits de semaine. Un homme qui met des habits de travail n'est pas identique à un homme qui s'habille pour aller dans une soirée. Donc, ça veut dire que le même homme peut porter des vêtements différents qui lui donnent une certaine apparence qui n'est pas nécessairement celle qu'il a lui-même dans toute son essence. En revanche, quand il se dévêtit, quand il
il ne porte plus de vêtements, là, il est réellement lui-même. Donc, on voit que quel est l'endroit où un homme peut se dévêtir, c'est chez lui à la maison. Ça veut dire que non seulement les objets qui se trouvent chez lui portent son empreinte, mais plus encore, l'essence de sa personnalité se révèle chez lui. Alors que quand il est dans la rue, quand il est dans un autre endroit que sa maison, il ne révélera jamais l'essence de sa personnalité. Donc voilà une deuxième définition de Dira Bat Hartonim, cette demeure de Dieu construite dans le monde, elle doit avoir pour effet de révéler l'essence de Dieu dans le monde. Et on voit qu'effectivement, lorsque le Mashiach viendra, le monde supportera la révélation de l'essence de Dieu. À l'heure actuelle, avant la venue du Mashiach, si l'essence de Dieu se révélait dans le monde aurait explosé parce que la révélation aurait été trop intense, il n'aurait pas pu la supporter. Quand le Mashiach viendra, le monde pourra supporter la révélation. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y aura eu la perfection des actions des hommes et c'est ces actions des hommes qui peuvent transformer la matière en profondeur pour faire en sorte qu'elle puisse devenir le réceptacle de cette révélation divine. Donc nous revenons au début de ce Mahamar et au verset de la parashat Ekev, la parashat cette semaine sur laquelle nous avons commencé. Donc on a dit Ve'aya Ekev Tishmeun, et ce sera parce que vous écouterez, Ushmartem, et que vous garderez, Va'asitem, et que vous ferez. Et donc on s'est interrogé, puisque Tishmeun, ça veut dire entendre, et ça veut dire aussi comprendre. Et donc, quand le verset nous dit Tishmeun, Ushmartem, Va'asitem, on a l'impression que d'une certaine façon, le verset nous demande d'abord de comprendre et ensuite de faire. Alors qu'on sait que la Torah a été donnée parce que les Bnei Israël ont dit « Naase v'nishma », nous ferons d'abord et nous comprendrons ensuite. Alors en fait, pourquoi le verset nous dit « Tishmeun ou shmartem asitem » ?« Shezui avoda pratit bechol gimel ainyanim de marshavam tishmeun dibur ou shmartem maase asitem » Donc, on l'a bien expliqué d'après ce qu'on a dit au préalable. Un service de Dieu exprimé en termes généraux, demain je ferai mieux, est totalement inutile parce qu'on sait qu'il ne sera pas suivi d'effet. Donc, quand est-ce que le service de Dieu a un sens? Quand il implique un examen attentif de ses pensées, de ses paroles et de ses actions pour savoir qu'est-ce qui doit être rectifié. Donc, c'est le sens de ce verset. Tishmeun, les pensées. Ushmartem, la parole. Va'asitem, l'action. Il y a des nimsham iprinat shel mala miseder ishtad shelut ligamre. Quand un homme parvient à transformer ses paroles, ses pensées et ses actions, alors il est en mesure de révéler dans le monde une lumière qui transcende complètement les limites du monde. Et c'est le sens du verset suivant, dans ce début de la parashat Ekev. Dieu gardera pour toi et ta brit, l'alliance, et ta chesed, le bienfait, comme il en a fait le serment. Shehem inyanim shel mala mitam vedat. Qu'est-ce qu'on voit? Les trois éléments qui ont été cités ici, l'alliance, le bienfait et le serment, transcendent toute rationalité. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? On voit que l'Admor HaZaken nous dit, deux amis décident de faire une alliance, Kritut Brit, entre eux. Donc, ils font une alliance selon laquelle ils seront toujours amis. Donc, nous dit l'Admor HaZaken, finalement, c'est inutile puisqu'ils sont d'ores et déjà amis. Si un jour, il y a une difficulté entre eux,
Alors peut-être qu'à ce moment-là, il faudra faire l'alliance, mais pourquoi la faire à un moment où il n'y a rien qui peut remettre en cause leur amitié? Et donc, nous dit l'Admorazaken, la réponse est bien claire. Si demain ils se disputent, ils n'ont plus envie d'avoir quelque chose qui les lie. Donc finalement, qu'est-ce que c'est une alliance? Une alliance, c'est un engagement qu'on prend qui fait que par la suite, même si les circonstances font qu'on n'a plus envie de le respecter, alors on le respectera quand même parce qu'on s'est engagé. De même également, précède, qu'est-ce que c'est le bienfait? Le bienfait, c'est celui qui est dispensé à tout le monde, à celui qui le mérite comme à celui qui ne le mérite pas. Donc, on ne peut pas se poser la question, un mérite, il faut lui donner, l'autre, il ne mérite pas, il ne faut pas lui donner, ce n'est plus un bienfait. Donc, le bienfait va à l'encontre de la rationalité, puisque la rationalité, c'est effectivement de donner à celui qui mérite. Même également, Asher Nishba, un serment, ça engage, celui qui a fait un serment est engagé par son serment. Donc, finalement, c'est ça le sens de ce verset. Tishmeun ushmartem vaasitem. Vous ferez un examen attentif de vos pensées, de vos paroles et de vos actions, afin que jusque dans le moindre détail, tout soit conforme à la volonté de Dieu. Et en échange, moi, Dieu, je vous donnerai à Brit ve'achesed asher nishba, l'alliance, le bienfait et le serment, c'est-à-dire que non seulement je vous accorderai la révélation de l'essence dans le monde, mais je ferai que cette révélation soit immuable, que rien ne justifie qu'on puisse la supprimer. Chez Zéro Amro, cher Nishbala Avotecha, donc le verset précise bien, Dieu en a fait le serment à tes ancêtres, et donc, si on peut dire, Dieu est tenu par le serment qu'il a fait, et donc en permanence, Dieu va faire en sorte que la révélation pour chaque juif devienne possible. Chez Avot, Hem, Prinat, Amidot, Gvura, Tiferet, Chez Shorshan, Prinat, Shel, Maalam, Avraham, Yitzhak et Yaakov correspondent à la bonté, à la rigueur et à la miséricorde. Donc on a toutes les formes de sentiments, puisque à partir de ces trois éléments fondamentaux, on peut reconstituer tous les sentiments qu'un homme peut éprouver. Et d'autre part, Merkava, les patriarches sont profondément soumis à Dieu. Et donc, de cette façon-là, ils transmettent ce caractère en héritage à leurs enfants. Et de cette façon, chaque juif, qu'il soit confronté à une situation qui appelle de sa part une réaction de chesed, une réaction de gvoura ou une réaction de tiferet, une réaction de bonté, de rigueur ou de pitié, alors il peut mettre en avant sa soumission et de cette façon-là révéler le potentiel que les patriarches lui ont légué. Comme on a vu au préalable, que les attributs du sentiment de Dieu sont directement liés à ce niveau de Keter, qui fait que même si Dieu a créé le monde avec la règle, le principe du voile de sa présence au sein de la création, eh bien, à tout moment, Dieu peut déchirer le voile et faire en sorte que son essence se dévoile dans le monde. Mashekatu veaya ekev, ine ekev umilashon akvayim, ensuite, on s'est demandé pourquoi le verset dit veaya ekev tishmaun, et ce sera parce que vous écouterez. Et donc, l'explication, c'est que ekev, donc on s'est interrogé, puisque ekev n'est pas un mot fréquent dans ce sens-là dans la Torah. L'explication, c'est donc que Ekev, ça veut dire les talons, et qu'on trouve de cette façon-là une allusion dans la Torah à Ikvot Meshicha, la période actuelle, la période des talons du Mashiach. On voit que quand on parle de la période des talons du Mashiach, alors il y a deux notions
ça implique deux notions à la fois. D'une part, ça veut dire que le Mashiach est très proche, sa venue est très proche. Quand on entend les talons de quelqu'un, ça veut dire qu'il est vraiment à proximité. Et puis, d'un autre côté, on voit que le talon, c'est la partie la plus basse du corps humain, au point que nos sages l'appellent Malach HaMavet chez Be'adam, l'ange de la mort qui se trouve dans le corps humain, c'est-à-dire la partie dans laquelle il y a le moins de nerfs, la partie qui est la plus insensible à la douleur. Et donc, Ikvata de Meshicha, c'est aussi la période pendant laquelle l'obscurité est la plus profonde, pendant laquelle l'exil est le plus profondément ressenti. Et donc, il y a cette ambivalence, il y a ces deux choses à la fois. D'un côté, on est persuadé que le Mashiach va arriver d'une seconde à l'autre, et d'un autre côté, l'exil est profondément obscur, beaucoup plus que dans d'autres générations. Et donc, chez Az, Yesh, Ribou, Yelemot, Vesterim, Venisionot, on voit que ce qui caractérise notre période, la présente période, juste avant la venue du Mashiach, c'est les voiles, les occultations, les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, qui vont bien au-delà de ce qu'on a pu connaître dans d'autres générations. Kmo Ribou Yamal Igim, par exemple, les nombreuses personnes qui se moquent. Chez Kaché Lisbol Otam, donc c'est difficile de vivre dans une humiliation permanente avec des gens qui ridiculisent, qui se moquent en permanence. Mais Adkedekar, au point, chez Afilo Moshe Rabbeinu, Itpael Meofen Avoda, chez le Dorzé. Le Midrash nous dit que le Moshe Rabbeinu on a fait passer devant lui toutes les générations jusqu'à l'avenue du Mashiach. Donc il a pu voir la réalité de chaque génération. Et le Midrash nous dit que parvenu dans notre génération à nous, celle du talon du Mashiach, alors Moshe a manifesté son admiration. Il dit comment est-il possible d'être soumis à tellement d'épreuves, de devoir vivre dans une obscurité tellement profonde et de parvenir, malgré ça, à servir Dieu. J'ai mis Bliabet à la Elemot Vesterim Anisionot. Malgré tous les voiles, malgré toutes les occultations, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les difficultés que nous vivons au quotidien, Ovdim Avodatam, on voit que les Juifs servent Dieu effectivement, Beofen de Tishmeun, Ushmartem Vaasitem, en essayant d'analyser précisément leurs pensées, leurs paroles et leurs actions pour s'assurer qu'elles correspondent d'une manière scrupuleuse au service de Dieu, qu'elles sont basées sur la soumission et que de cette façon-là, la toute dernière phase du tikkun devant être réalisée dans le monde, qu'elle puisse être obtenue également. Il y a des émites kayemet aftacha shebehem shechaktuvim. Ceci nous permettra d'obtenir la révélation de la promesse qui est formulée dans la suite des versets. Ve'ahevcha, Dieu t'aimera, uberachcha, il te bénira, ve'hirbecha, il te multipliera, uberach pri bitnecha, il bénira le fruit de tes entrailles. Jésus a derech machekatou, im bechokotai telechou, ceci évoque un autre verset de la Torah, introduisant la parasha de Chukotai, qui nous dit si vous marchez, si vous avancez dans mes décrets, on voit que Dieu supplie qu'on accomplisse sa volonté. Parce qu'on voit que le verset est introduit par im, si, et on voit que dans la Gemara, les Chachamim, les sages nous disent En im ela lashon tachanunim. Les sages nous disent dans ce verset, ce im, il faut l'interpréter dans un sens de supplier. Im bechukotai telechu. Je vous supplie de mettre en pratique mes mitzvot. Et la shekan harze belashon aftara. En revanche,
dans notre paracha, dans la paracha Ekev, on ne trouve pas le mot im, il n'y a pas de condition, donc c'est une affirmation, c'est une certitude, Dieu promet de nous aimer, de nous bénir, de nous multiplier. Chez Be'acharit Tayamim, Vadaï Tishmehun, et donc de la même façon, le Ve'haya Ekev Tishmehun, là encore, il n'y a pas de condition, donc ça veut dire que en cette période de la fin de l'exil, il est certain que chaque juif accomplira pleinement le sera mis de côté. Et à ce moment-là, Zaï benatati gishmechem beitam, je donnerai vos pluies en leur temps. Et donc, on sait que Geshem, ça veut dire la pluie, mais Geshem, c'est également de la même racine que Gashmiyut, la matérialité. Venatati gishmechem beitam, je vous donnerai tous les biens matériels dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Chol abrachot shebehemcher aparasha, avec toutes les autres bénédictions qui la suite de cette paracha, ad veolech etchem kumimiyut, jusqu'au verset de cette paracha qui nous dit: je vous conduirai la tête haute de façon à vivre ces derniers instants, la douleur et toute l'obscurité de l'exil. Et c'est ainsi qu'on rentrera dans le Beit HaMikdash. C'est la fin de ce mamar. Bonnes vacances à tous. Bon repos en été. Et avec Dieu à la rentrée, nous reprendrons notre étude.